Oui, je sais pas si tu l'as mentionné plus tôt, là, mais Misty a une équipe extrêmement jeune. Là. C'est une équipe, disons, de relève, ouais, c'est ça. Qui va tenter de faire du mieux qu'il peut durant le tournoi.
Je vais parler un peu. Je vous disais que c'était pas la, l'équipe principale là, de la région du Témiscouata. C'est un peu comme une équipe école. Là. Les meilleurs joueurs, ce qui risque de se retrouver dans l'équipe principale du tennis d'ici quelques années. Oui, exactement. Non, toutes les joueuses qu'on voit là, c'est sûr que. Il leur reste plusieurs championnats juvéniles encore à disputer, donc... Aussitôt, il y avait deux joueurs, là, sur le Eastern, directement sur le porteur de la balance, c'est le voir. Aussitôt, on revient du côté du porteur de Gnaud qui est arrivé notamment, mais on a pris aussi. Des gardiennes de but pour aujourd'hui. On essaie de trouver l'identité des gardiennes. Bon, on essaie de voir si ça se trouve à être Sirois ou Milliard. Ariane Milliard, du côté du, de la formation de Misty. Alors que c'est Jaden Ladat Snowboy. Témis qui tire quand même son épingle du jeu, là. Après, le début de match, c'est quand même assez lent. Mais on s'adapte quelque peu à la formation de Houston. On touche l'avantage. C'était à sens, sens unique. Bon tir de la part du mystère. On voulait remettre la balle vers la gardienne de but, mais en quelque précision, ce qui fait que sans le pouvoir, on a perdu la Chizo, qui est une Amérindienne là, de la nation des Cris, qui sont réputés pour leur tir foudroyant là, dans le féminin.
Villard est vraiment alerte là, dans les buts. J'avais forme en tête, mais ça n'aurait pas été un mot approprié. Là. Les bleus vont s'accumuler le long du corps durant la semaine. C'était tout simplement hors-jeu. Misté là-dessus qui a failli bénéficier d'un échappé qui... Je crois que ça va être ça tout le long du match. Misté qui va tenter avec sa vitesse de surprendre Easton Thunder pour s'inscrire au pointage. Donc on va chercher la contre-attaque.
Jamie là, qui est derrière le filet de Snowboy. On mise en jeu du côté du Houston Thunder, donc on faudrait. Première mise en jeu disputée, oui, dans ce territoire depuis le début du match. Ce sera intéressant de voir comment Misty va réagir, là, autant si elle gagne ou perd cette mise en jeu, voir s'ils appliqueront de la pression. On remporte la mise en jeu, donc c'est un bon départ. Ah, c'est tout près du filet. On tente de surprendre la défensive ici avec un lancer de Mélanie Sirois. Son lancer qui est dévié derrière le filet. Toujours dans le territoire, mais c'est Eastern là, qui ont la balle. Anderson Harvey. Dégagement. C'est la défense.
Series. Sarah Caron pour Misty et Daniel Iseroff pour Eastern. Pas de grands joueurs en bas de 16 ans. On a Sarah justement et pas Isidora aussi. Intéressant à voir du côté du Misty, on a appliqué une pression très haute dans le territoire de Thunder. Par contre, à mon avis, les défenseurs n'ont pas assez suivi cette pression. Seulement les attaquants appliquaient celle-ci. Donc, c'est ce qui a permis à Thunder de sortir aisément du territoire. Le ballon avec elle. On espérait peut-être un retour parce qu'il y avait une joueuse de l'Espagne qui s'amenait vers le filet. Sur la glace numéro 2, présentement, Team Manitoba du côté des femmes contre le Terminators de Palmerston. 1-0 pour les Terminators. Oui. On finit première, là. Lors du dernier championnat provincial juvénile en Ontario. Alors que du côté du Eastern Thunder, il est le troisième de provinciaux cette année. Troisième également aux qualifications en début de saison. Non, exactement. C'est l'équipe qui remplaçait celle de Thunder. La mémoire me fait défaut, là. Derrière le filet, mais ça a touché un bâton pour Mitski, ce qui fait que le ballon demeure sur le fait de la rue. Quinter.
face à Lepage, tente de te distancer du numéro 2 de l'équipe de Misty, le ballon là, qui se retrouve jusqu'à la gardienne de but. Concierge avec elle. Ça permettra de faire les changements du côté des deux équipes. Là, on n'a pas pris de chance. Les joueurs, c'est qui peut être un certain temps. Manque de rythme un peu là, dans les dernières minutes. En fait, depuis le début. Début de la deuxième période, là, on veut voir un peu de vitesse. Je croyais qu'elle était dos complètement, là, elle a fait de la règle. Elle était plus l'instinct là-dessus. Elle a lancé le bloquant défensif. C'est pas une mauvaise chose d'avoir un instinct de gardien de but comme ça. Là. Il dure vert par la suite. Il a lancé qui a gardé le fantulaire là-dessus. Il a lancé et amorti quelques coups de vent. Il n'a jamais rentré au filet. Dégagement était tenté. On parle de commission au départ des joueurs du Mexique dernièrement. Le dernier, là, la part de Stacy Johnston, là, quand même assez violent, le plus près du vent du Mexique. Oui, c'est. Faut que je l'aille avoir. Le lancer est complètement gâté de la part de Chizo. La plus puissante tireuse de cette équipe. La 44 du côté de Thunder? Oui, Weiss-Chee. Ah, probablement, ben en fait, c'est Chizo? Chizo, c'est la 8. Ah, excuse-moi. Oui, oui. Oui, non, assurément que c'est une substitut là, qui joue probablement dans une ligue dans le Nord là, avec la Nation Cree, là, dans le coin de la Beijing durant la saison. Très bien arrivé. C'est la joueuse du Mystique qui dégage plus loin. Cloutier qui réussit à s'emparer du ballon. Cloutier, dur vert. Ça a effleuré quelques coups par la suite à Allison Harvey. Et ça a dévié à la droite du filet.
11-0-1 à faire à la deuxième période. 1-0. Anders Eastern qui à l'avance dans ce match face à la formation. 2-0 Terminator sur l'autre glace contre, je répète, dans le féminin, contre Team Manitoba. Double la marque. On va les voir un peu plus tard, les Terminators, mais vraiment les coupes à l'aide. Oui, oui, avec en fait, eux et l'équipe championne défendante, là, évidemment, Témis. Oh, ici. Navet, on échappe. Merci là-dessus aux joueuses qui passent seules. C'est trois joueuses. Et l'autre cas. Boum. Jusqu'à la gagne du milliard. Et le jeu qui s'arrête 10-18 à faire à la deuxième période. Prochainement, ce qu'il y a eu ici tantôt, après celui-là. Ce sera le bizarre face à C1. Ouais, tout de suite après ce match-là. Le Blizzard qui est une équipe du Québec qui est composée de joueuses de... C'est un mélange de joueuses de Richelieu, Yamaska, quelques joueuses aussi, quelques Amérindiennes de la Nation Cree. Donc ça va être intéressant parce que c'est une équipe qui ne joue pas vraiment ensemble là, durant la saison. Aux joueuses qui sont là seulement pour les tournois, les championnats. Là. Mais qui est talentueuse, qui pourrait très bien surprendre. Là. C'est le genre d'équipe qui va s'améliorer tout le long du tournoi. Donc je préférerais jouer contre cette équipe-là en début de tournoi qu'à la fin. On a laissé complètement aller la joueuse là, à partir de la ligne bleue jusqu'au but. On l'a regardé aller. Ouais, elle a fait tout ce qu'elle a vu. Elle a bousculé, elle s'est permis de bousculer l'une des joueuses du Mystique. Par la suite, elle a poursuivi ça. Vers le filet, elle a eu le ballon à sa guise. Le milliard. Elle a bien écrit. Donc à 2-0 comme ça, le Mystique devrait être extrêmement opportuniste s'il veut revenir dans ce match-là. Merci.
c'est Cloutier. C'est dans le coin. Jamie Hervé qui est près du filet. Cloutier qui est là avec Allison Harvey. Derrière le filet, Harvey qui est là. Un lancer qui est Lévi. Qui se transporte le long de la rampe. Harvey. Toujours la balle. On remet de l'autre côté par la suite devant les personnes pour reprendre le ballon. C'est très cool. Ça sort. Encore une fois, là, les attaquantes de Mystique qui. Oh! Ça les reprendre l'action. Thunder va probablement parler à ses joueuses parce que ça fait trois fois qu'ils ont bloqué leur sortie de zone par le Misté. Bien joué par ces dernières d'ailleurs. Plus de rapidité pour surprendre les joueurs du Misté quand ça passe le temps. Dubé qui est. Ah, c'est. Plus loin, c'est pour le Harvey qui est. L'équipe de l'Ontario qui était là, sur la passe, et c'est repris par Primes. Primes qui est la joueuse du groupe et qui est poussée aussi les mains par Primes. Un lancer dévié, là. Et Emilia qui fait l'arrêt. Un lancer qui s'en allait à côté du filet, mais ça a tué quelqu'un devant. Ça dévie vers justement le filet et Emilia qui fait l'arrêt. Bon réflexe là-dessus. On va passer devant. Touche quelqu'un, par la suite ça bondit. Le gardien de but qui est intervenu là-dessus pousse plus loin. Ça sort du filet. Plus loin, ça sort plus loin. Avec Johnston qui est intervenu pour la ligne rouge pour maintenir le ballon dans la zone. On passe devant. Il n'y avait pas vraiment personne pour le Stone devant le filet. Ça fait modifier en contrôle. Exactement, la passe était un peu devant là. C'était pour la joueuse qui était complètement à gauche, qui a essayé de tirer au but, mais était rendue collée sur la gardienne de but. Là, mais que la gardienne de but a quand même très bien fait en justement sortant de son filet pour aller défier ce tir-là. Une des joueuses de. Probablement que la première joueuse de Eastern n'aurait pas dû toucher au ballon. Non, exactement, il y aurait peut-être eu quelque chose de mieux à faire là, pour ce 3 contre 1. Oh, quel. Oui. Oui, oui, exactement. Oui, oui, très bel arrêt encore là, de Billard. 3-35 de terre à l'intérieur. On augmente la marque à 3-0 là, sur l'autre glace. Terminators contre Manitoba du côté des femmes. Donc, l'avance qui s'accentue. Je crois que ça va. Je suis pas sur place, mais j'ai l'impression que c'est un match à sens unique. Pour la domination. Un lancer de Angela. Un
autre qui a lancé pour faire ça dans son filet. Sophie Sloan dans le coin, passe pour Lauzon, donc qui est libre, Sloan qui veut reprendre, tente la passe pour Eiserhoff, on enlève justement le contrôle du ballon et on pousse plus loin. Minute à 36 à faire, donc... Ouais, match qui tire à sa fin. Match qui... Au départ, on aurait pu penser que c'était terminé 106-0. Mais... Oh, c'est ça. Pour un match là, de la part du Mysté, qui est une équipe de relève, je crois que c'est très respectable. C'est quand même bien défendu également. Là. C'est de l'expérience de qualité que cette équipe vient d'acquérir. Avec une gardienne de but qui a fait un très bon travail. C'est bloqué par Milan. Oh, un contre un. Stop, sans aucun stress, on aurait dit là, à la Carey Price. Bien réagi. On peut tester notre lancer ici avec un radar là-bas. Oui, beaucoup. Beaucoup de monde, mais ça a l'air d'être une activité assez populaire. Je crois qu'il y a des prix pour les tirs les plus puissants. Pour les gens qui sont présents, il y a beaucoup de gens comme tu l'as mentionné qui sont là. Dans l'équipement qui est à vendre. Oui, on voit One by One qui est installé. One by One est présentement partenaire de la Fédération québécoise de ballon sur glace. One by One ainsi que Blue Hawks Montréal. Pour l'événement ici, c'est un événement de la Fédération canadienne, donc on parle d'autres choses. Là. La Fédération canadienne n'a pas présentement de commanditaire officiel. Par contre, One by One est partenaire de l'événement en tant que tel. Ainsi que DGL aussi est partenaire de l'événement. Donc deux équipementiers qui vont être présents cette semaine pour vendre de l'équipement. Oui, hier, c'est intéressant, durant les pratiques des équipes, les équipementiers prêtaient l'équipement pour tester l'équipement durant les pratiques, là, avant le championnat, là, pour voir si les joueurs ne pouvaient pas améliorer leur jeu.
dur à dire. Hein. Ben, c'est sûr que le gardien de but, Ariane Meilleur, a une longueur d'avance dans ma tête pour du côté de Mysté. Ensuite de ça, du côté de Thunder, Burnett, le capitaine, a pas mal fait. Le défenseur, Johnson. Ouais, aussi. Ouais. Voilà. Un sur un. Gardien de but qui est d'origine du Nouveau-Brunswick. Thunder.